Hey, bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue à la maison. Nous sommes le samedi 31 mars, on est bien, et oui, j'ai encore des choses à vous dire, vous le savez maintenant. Eh bien, tous les samedis, je vous propose un récap de tout ce qui s'est passé dans la semaine, sur la chaîne, bien sûr, mais pas que, car je sais, hein, vous êtes très nombreux et nombreuses à ne pas pouvoir toujours tout voir au moment où les différents contenus, et il y en a quand même beaucoup, tombent. Mais je voulais commencer tout de suite, sans plus tarder, eh bien, par, une fois de plus, vous remercier, car il y a quelques temps, eh bien, on franchissait la barre des 100 000 abonnés, et maintenant, eh bien, vous êtes plus de 120 000 abonnés, et d'ailleurs, ce chiffre a lui aussi encore grimpé. Maintenant, on est à 122 368 abonnés et ça fait vraiment plaisir. Merci, merci vraiment du fond du cœur. D'autant que, si on parle un petit peu rapidement de stats, bah, ce mois-ci, tout s'est vraiment accéléré. Plus de 2 millions de vues sur la chaîne, rien que cela, sur le mois de mars. C'est un truc de fou, c'est le record de l'histoire de la chaîne, donc ça progresse encore. Plus de 35 000 commentaires sur les différentes vidéos qui ont été postées juste là, ce mois-ci. C'est un truc de barjo, c'est-à-dire que c'est en moyenne plus de 1000 commentaires par vidéo. C'est plus de 9 000 partages, et là, il y a une énorme progression de votre part. Le PAP, le pouce, l'abonnement et le partage, eh bien, visiblement, ça vous a beaucoup plu, je le sais, vous me l'avez dit dans les commentaires. Mais c'est vrai que bah, ça aide très concrètement, vraiment à faire découvrir les différents contenus que je vous propose, qui, vous l'avez vu d'ailleurs, ce mois-ci en particulier, et cette semaine clairement, sont très variés. Regardez, je vous ai proposé cette semaine, eh bien, un reportage. Je suis parti à Londres pour voir, eh bien, le PlayStation VR Showcase, et découvrir, non pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 13 nouveaux jeux PlayStation VR, et je vous ai trié le meilleur, mais aussi le pire, hein, car vous le savez sur la chaîne, je suis totalement direct et franc avec vous, je vous parle sans embâge de tout ce que j'ai pu y voir, mais ce n'est pas tout bien sûr, je vous ai proposé un sujet, un peu de prospective, sur Black Mirror, cette série d'anticipation qui devient la réalité en Chine, avec eh bien, le gouvernement chinois hein, qui note ses propres concitoyens, ça donne un petit peu froid dans le dos, et dès le 1er mai prochain, donc là vraiment demain, hein, eh bien les choses se rentrent en application, et ceux qui n'auront pas une bonne note sociale, eh bien ne pourront même pas prendre le train ou l'avion en Chine. Voilà, c'est pas de la science-fiction, c'est notre monde bien réel, et j'avais évidemment envie de vous en parler, et ça vous a absolument passionné. Merci à toutes et à tous d'avoir participé, et il n'est pas clos à ce grand débat. Je vous ai proposé aussi une vidéo sur la nouvelle Nintendo Switch qui arrive, et oui, ce sont des infos, c'est pour ça que c'est pas Nostragamus. Alors je sais, il y en a certains qui ont dit « Oui, mais attends, il n'y a pas énormément de nouvelles infos par rapport à ce qu'on sait dans les rumeurs. » Oui, mais la grande différence, c'est que ça, c'est des informations que je peux vous confirmer. C'est-à-dire qu'elles viennent en provenance de l'industrie, de sources sûres. Oui, une nouvelle Nintendo Switch arrive, alors attention, pour ceux qui font des raccourcis toujours, ceux qui s'arrêtent à un titre, c'est une nouvelle Switch parce que ce ne sera pas le même nom de code, etc. Parce qu'il y a des choses qui vont changer à l'intérieur, sur la carte mère, sur les capacités techniques, mais ce n'est pas non plus une révolution, ce n'est pas une Switch 2. Hein. Donc je vous invite à voir bien la vidéo, à l'écouter, tout y est indiqué, très clairement. Mais oui, Nintendo est bien en train de travailler sur une nouvelle itération qui résoudra pas mal de problèmes, dont des failles aussi de sécurité qui ont été détectées à l'intérieur de la console. Donc pas de révolution, en d'autres termes, pas de panique pour ceux qui ont déjà acheté une Switch, mais un petit gain de puissance arrive à horizon quelques mois sur du côté de la Switch. Sur la chaîne, il y a eu plein d'autres vidéos aussi. Vous avez vu, je vous ai livré eh bien, mon avis sur le film Ready Player One que j'ai pu aller voir avec Carole. Alors, vous avez probablement entendu sur les internets énormément de choses qui ont été dites sur le film. Il y a des gens qui ont trouvé ça mortel et tout. Bah nous, on a trouvé ça pas si mortel que ça, technologiquement, enfin artistiquement et tout, c'est somptueux, il y a une tonne de références et tout, mais parfois c'est un peu name-dropping, vois-tu en voilà, et ça manquait un petit peu de corps, tout ça. Je vous ai montré aussi, je vous ai fait une vidéo qui vous a beaucoup plu, hein, sur comment finir Far Cry 5, qui vient juste de sortir en 10 minutes à peine, et pendant cette vidéo, il s'est passé un truc un peu débile, j'en conviens, c'est que j'ai écrasé ma sauvegarde, voilà, tout bêtement, devant vos yeux, et donc j'ai un peu bad-trippé. Voilà, toutes mes heures de jeu de Far Cry sont parties comme ça, en fumée, pour vous, public, pour vous montrer comment le finir en 10 minutes. Bah, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez, hein. Il faut prendre les choses avec,
avec aplomb. Et puis enfin, pour conclure, il y a eu cette vidéo, vraiment, moi, qui me tient à cœur, parce que c'est l'avenir, et moi j'adore ça, l'impressionnante démo technologique sur PS4 Pro. C'était des images qu'on avait déjà vues sur PC avec le nouveau moteur Unity, mais là, c'était sur PS4 Pro, et franchement, enfin, regardez, je vous le remontre, hein, mais vous pourrez le voir en intégralité sur la chaîne, ça déglingue, et ça préfigure vraiment de ce qui nous attend sur la PlayStation 5, sur la prochaine Xbox et tutti quanti. Mais ça, justement, eh bien, je vous en reparlerai très prochainement sur la chaîne. Je vous l'ai promis, ça arrive. Alors, ce récap aussi, ça permet de faire le point sur des choses qui peuvent vraiment vous intéresser, qui sont faits pour vous, c'est-à-dire bah, tous les concours que je vous propose. Et j'essaye vraiment au maximum bah, de vous remercier à ma manière. Vous, bah vous, votre remerciement de ce que je fais, c'est de venir, de mettre un petit pouce, de partager, pour certains d'être membre soutien, et vraiment, une fois de plus, je vous remercie infiniment. Et pour ceux qui voudraient le faire, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, là, dans la description en dessous, il y a les liens pour devenir membre soutien. Ou si vous savez, vous pouvez acheter vos jeux en utilisant les liens affiliés Amazon que je vous propose. C'est pas du sponsor, hein, c'est pas payé par un éditeur ou quoi que ce soit, rien du tout. C'est juste que bah, pour vous, si vous avez envie d'acheter les jeux, bah, c'est la même chose que si vous les achetiez normalement, pas un centime de plus à payer. Par contre, vous pouvez bénéficier de d'avant-premières ou de prix un peu plus bas. Et pour moi, bah, je gagne un tout petit, de l'ordre de 1 à 3% pour être transparent avec vous, pourcentage du prix de ce jeu. Donc pas grand-chose, mais si vous êtes des centaines ou des milliers, ça aide véritablement concrètement. Mais moi, pour vous remercier, eh bien, j'ai des concours. 3 cette semaine. Alors, il y a un énorme concours, franchement, ça fait plaisir, qui permet de gagner le HTC Vive Pro. Ça, c'est quand même un très très beau lot. Pour cela, bah, comme d'habitude, il suffit d'aller sur mon Twitter et vous retweetez, vous suivez bien sûr mon compte, ainsi que celui de HTC Vive et de la Fnac, qui sont les partenaires pour ce concours-là, en l'occurrence. Et il faut être abonné à ma chaîne YouTube. À la fois, c'est logique, c'est normal. Moi, ces concours, je les réserve à mes abonnés. Et le tirage au sort aura lieu le 5 avril. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un concours, Olivier Tom, ouais, pour gagner le coffret. J'ai deux coffrets à vous offrir en tout. Deux coffrets non censurés pour gagner Olivier Tom. Ça, c'est pareil, le RT, le photo. Tout est sûr. Bien sûr, sur mon Twitter, n'hésitez pas à y aller et à vous abonner, bien sûr. D'ailleurs, aussi, j'ai un code de promo pour ceux qui voudraient aussi et qui se disent ah, « je vais peut-être pas gagner ou quoi que ce soit ben, ». Avec le code CAROJU, vous pouvez gagner 10 euros de réduction sur le coffret. Il y a le lien là, en dessous, là, ici. Il suffit juste de cliquer. C'est totalement transparent pour vous. Et puis enfin, un autre très beau concours. Je vous offre le jeu Sea of Thieves, ainsi que cette superbe manette collector de pirate. C'est la grande, grande classe. Alors, c'est deux concours, c'est pareil. Hein. Il y aura un gagnant ou une gagnante hein, pour le jeu, et un gagnant ou une gagnante pour la manette. Donc, bah, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. C'est en ce moment sur mon Twitter, etc. Je vais vous mettre les liens en dessous de la vidéo. Vous aurez tout ce qu'il faut. C'est comme ça que moi, je peux aussi vous remercier. Alors, avant de conclure cette vidéo un peu récap, je vais vous teaser un peu sur ce qui va se passer la semaine prochaine. Et franchement, les amis, une très grosse semaine se préfigure, là. Je vous assure. Déjà, je vais vous proposer un live, une émission en direct sur God of War. Le God of War qui arrive sur PS4. Je vous l'avais un peu teasé dans ma grosse preview, qui est d'ores et déjà disponible, hein, si vous ne l'avez pas vu, où je vous montre plein d'extraits de gameplay et je vous dis vraiment ce que j'en pense. Eh bien, je vais faire appel à vous, puisque ce live-là va me permettre de répondre à vos questions. Vraiment, celles que vous vous posez. Du coup, bah, comme d'hab, maintenant, vous commencez à prendre l'habitude, dans la zone communauté, là, en haut, hein, on est sur la page YouTube classique. N'oubliez pas, dans cette zone communauté, bah, il faut que vous soyez abonné à la chaîne, bien sûr. N'hésitez pas à cocher la cloche, d'ailleurs, vous êtes notifié comme ça quand il y a un nouveau post. Je fais vraiment pas de spam, hein, regardez, cette semaine, j'ai mis deux trucs seulement. Mais je vous mets à chaque fois des sondages. Je vous ai demandé sur la Switch. Là, je vous ai demandé un petit peu par rapport à la vidéo un peu prospective, la Black Mirror, qu'est-ce que vous en pensiez, d'ailleurs, bah, non, à 87%. Vous ne voulez pas d'une société de ce genre-là. Franchement, je vous comprends clairement. Eh bien, je vais bientôt vous poser, là, ici, dans les commentaires, la possibilité de mettre vos questions, savoir qu'est-ce que vous voulez savoir, justement, ça tombe bien, sur God of War, et j'y répondrai en live. Et bien sûr, je prendrai aussi des interrogations en direct, si c'est tout le principe du live. Mais comme ça, il y aura au moins une base, déjà, sur laquelle on pourra partir. Donc,
Ziotez bien la zone communauté régulièrement. Il y aura des choses qui vont être dites là. Et justement, bah, je vous pose la question, là maintenant tout de suite. Le récap, c'est ça aussi. Hein. À chaque fois, c'est un peu d'interaction. J'irai voir dans les commentaires. Quand est-ce qu'on se le fait, ce live? Moi, je vous propose peut-être lundi soir ou mardi soir. Dites-moi ce qui vous arrange le plus. Probablement peut-être lundi soir. Alors, je sais, c'est férié, mais comme ça, vous allez être tranquille. Bah, vous me direz dans les commentaires un peu là, vous pensez. Puis j'essaierai de voir un peu la tendance qui émerge. Vous le savez, cette chaîne, moi, j'essaye de la faire en collaboration directement avec vous, mes abonnés, les fidèles viewers de la chaîne. Je trouve que c'est normal, c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner. Tout ce que je fais, je vous le dis en transparence et en parlant de cela. Eh bien, cette semaine, il va y avoir donc deux nouvelles vidéos, bah forcément. Deux, non, il y en aura plus que deux. Hein. Je vais vous parler de Nintendo Labo. J'ai pu vraiment l'essayer. Je vais vous montrer des choses très concrètes, nouvelles, et vous donner vraiment mon avis. Ce sera cette semaine. Je vais vous faire aussi une vidéo sur un futur plus radieux que celui de Black Mirror, parce que non, j'ai pas envie non plus de faire que les trucs genre « Ah, le futur, ça a l'air flippant et tout ». Il y a des choses qui sont flippantes, et je vous l'ai dit, et on en discute ensemble. Mais il y a des choses qui sont vraiment chouettes, excitantes, inspirantes, et j'ai aussi envie de vous en parler. Voilà, parce que pour moi, c'est un équilibre. Il y aura une vidéo aussi, probablement en fin de semaine, un peu particulière, Attendez-vous à du lourd, je n'en dis pas plus, et puis, je serai vous. Restez fidèles sur la chaîne, et n'hésitez pas à aller voter, mais hé, Julien, ressaisis-toi, à aller vous abonner, ou suivre, ou regarder, faites ce que vous voulez, mon compte Instagram. Je sais, je vous en parle de plus en plus régulièrement, mais parce que ça va s'activer pas mal, là, et cette semaine... Vers jeudi, mercredi, jeudi, vendredi, eh bien, vous devriez voir pas mal de choses assez sympas qui vont popper là sur mon compte Instagram, en avant-première de la chaîne, des coulisses de choses que je vous prépare. Vous le savez, sur mon Instagram, je vous fais pas mal de photos, de petites stories, etc., qui n'ont pas forcément rapport avec le jeu vidéo, parce que bah, j'aime plein de choses dans la vie, les voyages, le Japon, les nouvelles technologies, etc. Mais souvent, je vous montre aussi des coulisses de ce que je vous prépare, et je vais l'intensifier encore plus. Donc bah, n'hésitez pas, c'est facile, hein, tout est là. Hein. Que ce soit ma page Facebook, mon Twitter ou mon Instagram, Julien Chiez, facile. Il n'y a pas d'underscore, de nom chelou, de pseudo... C'est tout pareil, ici, n'hésitez pas à y aller, parce que, une fois de plus, c'est pas les mêmes choses que je mets sur Twitter, sur Instagram, et du coup, c'est très complémentaire. Voilà en tout cas un petit peu ce que je pouvais vous dire cette semaine. Bah, franchement, une fois de plus, merci vraiment de votre fidélité, ça a été une semaine complètement dingue, il y a eu plus de 7 vidéos. Ah ouais, il y a eu aussi, parce que, comme c'était dimanche dernier, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais je vous ai fait aussi un unboxing. Je crois que c'est le premier de la chaîne. Non, il y en a eu déjà un ou deux autres. Mais celui-là, franchement, m'a fait bien marrer de vous proposer l'unboxing de Sea of Thieves, de son coffre incroyable et magique avec en guest Nostra Piratus. Nostra Piratus, bien sûr, dans son meilleur rôle. Et à l'intérieur, justement, je vous annonçais que je vous faisais gagner la superbe manette. Voilà, collector quand même assez dingo, assez remarquable. Regardez encore, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et comme ça, bah, vous saurez tout sur le concours et vous pourrez voir cette manette que l'une ou l'un d'entre vous va gagner. Et pour clore le chapitre aussi des concours, tous les gagnants, les 4 gagnants des différents lots du concours des 100K, la semaine dernière, je vous ai dit, ah, tout le monde ne m'avait pas encore répondu, ça y est! Tout le monde a été contacté et surtout tout le monde m'a répondu. Donc bah, y a certaines consoles qui sont déjà en train de partir vers chez eux. Et il y en a une autre, je crois, qui est en... Il faut arriver au stock, que je la récupère pour pouvoir l'envoyer. Mais tout ça va être fait là dans les jours et semaines à venir. C'est parti. Et d'ailleurs, eh bien, les amis, vous, les 4 gagnants, n'hésitez pas à envoyer après les photos quand vous les aurez bien reçues. Comme ça, bah, toute la communauté pourra aussi le voir et puis se dire que ah ben bah, ouais, moi aussi je vais participer la prochaine fois. Parce que bah, c'est la chance hein, qui décide, hein, un petit logiciel, je rentre tous les gagnants, boum, j'appuie, ça me donne un numéro, et c'est toi, et c'est toi, et c'est toi. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir accompagné pour cette, je sais pas combientième semaine, ah si, on est presque à l'anniversaire du lancement de la chaîne, hein, parce que le chiffre qu'il y a dans le à propos, là, 2011, est complètement faux, hein, j'avais découvert que j'avais une chaîne YouTube, en fait, c'est le 14 avril 2017, donc on est à une quinzaine de jours, à 2 semaines de l'anniversaire de la chaîne. Moment émouvant, les amis!
et vous y étiez peut-être déjà. Vous allez me dire d'ailleurs dans les commentaires qui était dès le début, dès la première vidéo sur la chaîne. Dites-moi et je serai de tout cœur à vous remercier. Mais bon, les nouveaux arrivants, c'est super cool aussi. Hein. Allez, vive notre passion du jeu vidéo. Je vous souhaite un beau week-end. N'hésitez pas aussi à regarder vraiment toutes les playlists que je vous ai concoctées et que je vous mets à jour. Hein. Eh oui, faut bien savoir cela. Moi, je vous mets à jour mes playlists à chaque fois, parce que ça, c'est les dernières vidéos mises en ligne, mais il y a les playlists des jeux vous en parlent, il y a les tests et previews, Way Out, nous, on a beaucoup aimé, Nintendo Switch, 3DS, l'univers Nintendo, les différentes vidéos, l'univers PlayStation, l'univers Xbox et PC, la réalité virtuelle, tout ce qu'on peut en apprendre, le high-tech, les IA, il y a plein de choses, peut-être repartez un petit peu en arrière, il y a peut-être des vidéos que vous n'avez pas vues encore. Bon, bref. J'essaie de vous proposer quelque chose de très varié, de très riche, et j'espère, et visiblement, ça vous plaît. Donc moi, eh bien, ça contribue à mon bonheur. Voilà. Allez, passez un bon week-end. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, dès lundi, pour un nouveau contenu, du lundi au vendredi, et même maintenant le week-end, vous l'avez vu. Allez, dans les commentaires, dites-moi tout ce que vous espérez, vous attendez, ou des idées même de vidéos et tout, j'irai regarder, puis j'en ferai peut-être certaines rien que pour vous. Allez, ciao les amis. Et encore merci. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon samedi et un bon dimanche aussi. Peut-être que des vidéos mystères ou inattendues arriveront. On sait jamais en tout cas. Restez bien connectés, abonnez-vous et cochez bien la cloche pour être signifié justement de l'arrivée de nouvelles vidéos. Ciao les amis et encore merci.